Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour un petit tuto qui est comment mettre les fichiers vidéo de Manicam sur Sony Vegas. Parce que on ne peut pas, c'est ça, c'est vraiment dommage, on peut pas, on sait pas pourquoi ça marche pas. Mais je vais vous apprendre comment faire avec cette technique. Donc déjà pour commencer, vous allez sur Manicam et vous allez dans les réglages. Pardon. Vous allez dans les réglages en bas, en dessous de audio. Vous appuyez sur les réglages. Il faut bien mettre XVID. Le codec, il faut que ce soit XVID. D'accord. Après ça, vous faites comme vous voulez. Ça, vous pouvez mettre PCM. Après, j'ai pas essayé en MPEG-1L2, mais moi je mets en PCM. Je sais pas trop ce que ça change, mais bon. Normalement ça marche. Le temps que vous mettez XVID, normalement il y a tout qui marche. Après je sais pas, j'ai pas tout essayé non plus, hein. Je peux pas. Donc voilà, une fois que vous avez mis XVID, c'est parfait. Donc ensuite vous allez sur Mozilla. Ben vous allez sur le lien qui est dans la description. Ça va vous amener ici. Vous cliquez au milieu et après ça vous amène là. Et moi, ce que j'ai fait en fait, j'ai téléchargé XVID for Windows Mirror 1. Donc regardez, je vais le faire avec vous. Donc moi j'ai mis Mirror 1. Donc après si ça marche pas, vous essayez Mirror 2, je sais pas ce que ça change. Voilà. Donc du coup ça va vous le télécharger là. Voilà, enfin ça va vous mettre un petit truc, vous mettez en enregistrer le fichier. Voilà, c'est terminé. Maintenant on va attendre que ça s'affiche. Voilà. Allez, va plus vite. Vous faites accepter hein, quand ça vous demande le message. Ah c'est bon. Donc une fois que vous avez votre truc là, vous mettez langage sélection, vous mettez français. Il est là, français. Vous appuyez sur OK. C'est bien d'appuyer sur OK. Donc, vous avez les paramétrages, vous faites suivant. J'accepte. Suivant, et après normalement vous faites suivant et ça va vous l'installer. Bon, ça c'est pas grave, ça prend pas beaucoup. Annuler, voilà. Ben, moi j'annule parce que je l'ai déjà, mais en gros ça vous le télécharge. Voilà, c'est bon, c'est terminé. Donc voilà, c'est déjà la fin de ce petit tuto. Bon, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et surtout à commenter cette vidéo et à la partager. Bon, ben j'espère que vous l'avez aimé et à plus !